la conférence, c'est mettre l'océan Indien dans une position que nous comprenons qu'est-ce qui est en enjeu. L'enjeu est énorme. Il y a à peu près 5000 bateaux qui passent là. Presque la moitié de ban exportation pétrole pour l'Inde, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, Singapour passent là. Il y a 5000 bateaux, des centaines de milliers de tonnes de fuel. Et nous finissons ça, problème de piraterie. Et alors, 10 ans plus tard, la question c'était, est-ce qu'ils nous arrêtent sa organisation comme ta groupe là, ou soit non. Et là, nous avons décidé, en fin de compte, à Copenhague, c'est-à-dire que ce groupe-là continue ce travail, parce que la piraterie est une baissée, mais il n'est pas fin time. Nous commençons à comprendre que dans l'océan Indien, il y a une structure permanente. Et ça, il y a un consensus à dire que cette structure permanente-là, il est pour autour de la commission de l'océan Indien. Et puis, nous, président, c'était là, du contact group. C'est celle qui président apprend, maintenant c'est nous. Là, le Kenya pour prendre, mais la structure permanente pour l'Indian Ocean Commission. Et ça, il y a un grand, grand défi pour l'Indian Ocean Commission. Et il commence aussi à penser qu'au-delà de la piraterie, il y a tout simplement les autres crimes qui lient à la piraterie. C'est-à-dire drug trafficking, human trafficking, money laundering, tout ça. Pour à peu près une quinzaine de pays qui sont là. Pour à peu près une vingtaine d'organisations qui sont là. Notamment United Nations Office for Drug and Crime, nous prenons la Security Council, nous prenons aussi une quinzaine de pays, et vous connaissez, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le EU Naval Forces, c'est un bateau qui est là, qui est présent, pour capable de patrouiller sa région. Et tous les pays comme l'Inde, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, ils ont un autre bateau pour qui ils ont un pétrolier capable safely traverse la région. Donc, sa conférence-là, il y en a deux volets. Un, c'est le maritime security. Et deuxième, c'est le groupe de contact. Alors, ce qui nous fait penser, c'est Maurice il fait donc la deuxième conférence la semaine prochaine. Et nous pense pour faire la troisième conférence. Et en marge de sa conférence-là, il y en a à peu près 8 grandes conférences qu'il peut faire pour qu'ils justement mettent ça à awareness que la sécurité maritime est une condition essentielle pour le développement de la région. Thank you.